les missions oyo et puis ça rabino batoli yandenge nandenge mission oyo bongisa mabala yandenge nandenge et puis ça bato mayele pour tirer l'autre soir bat témoignage ya baiki oyo à travers émission santé du moment alobi na yeko landenge nini ya kolia malamu na yeko landenge nini ya kofanda malamu na yeko landenge nini ya kozala na mama bien na yeko landenge nini ya kokoma lelo responsable pe mission wana et pe sanga makoki ya lelo kokoma papa na bana pe ya lelo kokoma marié pe ko asimé mariage pour kozala marié. Exactement, vous êtes marié quand il y a les mélodies qui sont mais marié, c'est quand vous êtes marié avec M, minuscule T, mais majuscule. Donc, merci. Nabino Nyonso, au bout de l'émission. Lélo, toujours sur la Mingi. Puis, tous les invités, ou tous les gens, Lélo, et comme on a le docteur Benoît Tété. Et le docteur Benoît, il est développé dans le thème où ils allaient exploiter. Thème na soutien na ba soutien ou ekozala exploiter au cours ou émission ou vraiment bo préparer ba crédit bo préparer ndenge kuti na ba texto surtout ba to ba kolela ou no texto na ngai komaki botanga ki yango te texto na ngai kotaki botanga ki yango te ngonga ou yango weli satan koma texto mutali boso comme ça tout tanga ngo pe moto ali boso mbote docteur Benoît. Mbote monsieur le journaliste Berthe Djonga moto ensemble. Voilà docteur Lelo. Tout le monde a dit que les sous sous ils ont côté mais yo moko se présenté oyebisa bango ozali nani pe na domaine na yo ya sexologie otangila ngwa pi. Ah oui bandeko boza kolanda docteur Benoît na poko alelo na pese bino mbote les sous sous mbote parce que bosepeli koyamba biso na ndako. Na présentation, je suis docteur Benoît. Pour na baoba moni biso pour la première fois. Docteur Benoît naza médecin, docteur en médecine et spécialiste en sexologie. Donc je suis sexologue. Na tangi classe ya médecine à l'université ya Kinshasa, kakawa na mboka ya Congo. Na yenikin isika wapi na sali médecine, na zui diplôme ya docteur en médecine. Na sidisi na ke libanda ya mboka na mboka ya Canada. Na université Laval et si kawapi na sali santé sexuelle na silici na komi sexologue. Donc docteur Benoît, comme je vous parle ce soir, je suis médecin, docteur en médecine et spécialiste en sexologie. Je suis là pour vous parler des problèmes sexuels kusonabino makambo yetali na sexualité les kagandenge nini et sala magandenge nini pour que nandako mama na papa bafanda libala yango ezala kaboni na butu po bato mama libala kaka nandaka na moyi na butu siko eza ndenge ni je suis là pour vous parler na comment satisfaire l'autre sexuellement, comment répondre. Je suis là pour vous parler de la libido, le désir sexuel et utakawapi et quelles sont les causes ezo suisa yango. Je suis là pour vous parler de l'éjaculation précoce. Mais je suis là aussi pour vous parler. Il y a des problèmes, des troubles, des règles, des mamans. Il y a des problèmes, des règles. Mais j'ai une très bonne nouvelle, papa journaliste. Oui. La très bonne nouvelle que j'amène aujourd'hui est que la clinique d'or. La clinique d'or est là qui a une promotion mon aîné, pour tout le mois de mars. Et si là qui? Mais la clinique d'or va décider qui? Qui va prolonger la promotion pour tout le mois d'avril. Donc, nous venons de prolonger la promotion. Pour tout ce mois d'avril, ici, il faut se présenter dans la clinique d'or. La promotion continue avec une réduction à 50% à la clinique d'or. 50%, il y a consultation à fiche à docteur. 50% pour notre examen, 50% notre traitement, mais il faut que ce soit un problème sexuel. Problème sexuel veut dire tu as des troubles sexuels, des troubles érectiles, tu as des infections, tu éjacules précocement, faiblesse, impuissance, aux ampoules à Kobota et autres, les hémorroïdes. Tous ces genres de problèmes, on a tanguité, c'est un problème sexuel. Profitez parce que la promotion continue pour tout ce mois d'avril.
et aussi là le 30 avril à minuit. Et d'ailleurs, le 30 avril à minuit, je veux fermer le téléphone pour éviter, parce que nous avons prolongé, parce que beaucoup de malades ont appelé docteur, prolongé, prolongé. Alors on a prolongé. Le 30 avril, je ferme déjà. Vraiment, dès qu'on fait le 29, je ferme le téléphone pour dire qu'on ne va plus prolonger. Profitez-en d'y arriver avant 50% de tout ce qui se fait à la clinique d'or. Au cas où la clinique d'or Wapi, na lingua la navenue Kabinda numéro 225, croisement Kabinda Mushi, Pembenia NTNC 1, Bakomi clinique d'or, que vous aurez juste à Kouya Kabinda Mushi. Okomona clinique d'Orwana, clinique d'Orwana Lemba Super, ndekozo na ndabiso na Super Lemba, toza na avenue Luchacha numéro 86. Luchacha 86 pembeni ya école Mukengeli, bande kobozo na ndabiso na tiango la promotion continue, toza na na Efobank arrêt CCT. Donc na tiango yaka na Efobank na arrêt CCT, ndekozo kitana CCT okomona clinique d'Or. Et toutes ces cliniques d'or sont en promotion. Voire même la clinique d'or de Matadi est en promotion 50% de tout ce qui se fait en sexologie. Voilà. Ma question est allée belle au Yotokotuna Lelo. Ma souris est vraiment belle. Mais tout le monde, quelque part. Question Oyo, peut-être que vous avez un dingue ou un apôtre, mais que vous avez un important. Docteur, mariage est un nini. Yo et pas na yo sexologue. Merci beaucoup, docteur. Mariage ezani ni po na yo sexologue. Mariage, en réalité, c'est une cohabitation. Ça, parce que vous avez parlé de sexologue. Oui. C'est une cohabitation entre deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire un homme et une femme. Mm. Vous savez pourquoi deux personnes de sexe opposé? Parce qu'il faut abandonner sa canzoto régulièrement. Mm-hmm. Et d'ailleurs, la définition du mariage, quand on dit que c'est un homme et une femme, c'est parce qu'il faut abandonner consommer sexe. Moi, je base le mariage entre deux personnes de même sexe, c'est parce qu'il n'y a pas de sexe à consommer. Voilà le mariage, cohabitation sexuelle de deux personnes de sexe opposé. Donc, je dis bien. Cohabitation sexuelle de deux personnes de sexe opposé, on appelle ça mariage. Le reste, chacun est défini. Ndenga yebi, mais docteur Benoît comme sexologue, yebi que tant que bazolo balibala, c'est une cohabitation sexuelle. Mm. Alors les autres goyeba, c'est papa zola ndangana maman, est-ce que bazakaka na libala, na mariage ou bien libala est cinéma comme la cohabitation physique? Parce que j'ai parlé ici. Le mariage, c'est une cohabitation sexuelle. Maman et papa, ils font des pauvres bandes pour consommer sexe. C'est seulement qu'il y a le mariage. Alors, papa, vous avez besoin de maman, vous avez besoin de moi, 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 vous avez. Lorsqu'il y a le mariage, il y a la consommation du sexe. Parce que c'est une cohabitation sexuelle. Donc voilà. Docteur, si vous êtes côté à papa, maman, tout le monde a mingi, on dirait, et le kouango est comme perdre sens. Et pas na yo, sexologue, statistique, en Afrique, est-ce que ils ont rempli les conditions, il y a origine, tout dérivé à mon mariage, tout est perdre pour na. Vie sexuelle, ils ont diminué. Ou bien bébé. Oui, merci beaucoup. C'est une question tellement importante. Le mariage a perdu le sens. Pourquoi? Parce que la sexualité a perdu sa valeur. Mm-hmm. Vous savez, tout ce qui est caché, généralement, ça a une valeur autre. La sexualité était une affaire beaucoup plus de la chambre. Mm-hmm. C'est ce qui donnait la, qui faisait la force du mariage. Oyozoyo kalibala, la force du mariage et le vrai secret du mariage. Ndekozo anda docteur Benoît, vous avez un projet d'entrer dans le mariage. Le secret du mariage se casse dans la sexualité.
libalo yo kakawana efandi na sexualité ezala de roi marié o mikonzi marié. Le vrai secret, c'est dans la sexualité. Qu'on soit de pousse-pousseurs, de pauvres, mariés, le vrai secret de ce mariage, c'est dans la sexualité. Alors, dès lors que le sexe devient un objet public de commerce, dès lors qu'on nous voit la sexualité à la télévision, il y a des femmes qu'on fait danser nues. Il y a les réseaux sociaux où on laisse le sexe dehors. Le mariage, on commence à trouver. Il y a des gens qui disent même si on n'a pas l'été, j'ai le sexe. Vous voyez? Alors en ce moment, le mariage perd un peu le saveur. Mais ici, je suis en train de rassurer les gens qui nous suivent que le sexe est en dehors du mariage. Et le sexe dans le mariage, c'est totalement différent. J'encourage. Mmh. La vraie sexualité qui se passe dans le mariage. C'est ça le sexe. C'est le sexe encouragé pour faire les enfants. C'est le sexe que j'encourage pour arriver à l'épanouissement. De temps en temps, je parle de la sexualité épanouie. La sexualité qui amène à l'épanouissement, c'est une sexualité consommée sur le lit conjugal. Cette sexualité amène à l'épanouissement. C'est là-bas qu'une femme, c'est ça aimer. Elle est bien caressée et elle fait les ouf de soulagement. C'est là-bas qu'on peut amener la femme à l'orgasme parce que vous consommez avec une tête très reposée, calme. Mais libanda, parfois, mbango mbango bozo kima, on se rappelait que bozo sali soumou. Et voilà tout ça, culpabilité, et ça ne marche pas. Mais quand on est à la maison, on est sûr de consommer. Playa malamo. Voilà, je vous encourage d'entrer dans le mariage, mais tant que kota, mon docteur Benoît a rassuré que sexualité est au tambola. Voilà. Voilà, docteur, les lots qui sont les mêmes récits, ils ont un peu en perte. Mais si quoi, et là, on a des gens qui ont un couple perte, il y a vie sexuelle ezala. Est-ce qu'ils ont maladie? Est-ce qu'ils ont des complications? Il y a ba tokoso ou bien nini? Qu'est-ce que yo loko la sexologue oyo yebi makambo wana? Ah oui, merci beaucoup. La sexualité ezala ba cause ebele. Oyo zo sala que sexualité a des problèmes aujourd'hui. Nous avons des problèmes sexuels pour des raisons ebele, ba cause ebele. Nous avons de problèmes d'ordre sociologique. Nous avons des problèmes aujourd'hui d'ordre climatique, réchauffement climatique. Ça impacte même la vie sexuelle. Ah bon? Oui, oui. Vous savez, quand il fait tellement chaud à Kinshasa, mm-hmm. vous savez que la sexualité et vous avez malamouté, donc la sexualité doit dépendre du climat, de l'environnement. Lorsqu'on fait la sexualité dans une chambre où tout est beau, c'est différent de la sexualité d'un taxi. Donc, c'est pour vous dire que le réchauffement climatique et ça impacte la catégorie sexualité. Mm-hmm. Mais aussi, les relations ou les alliés entre les gens qui s'aiment, les partenaires sexuels. Donc, c'est ce qu'on appelle les relations interhumaines. Ce qui est dans le climat malamouté, ça influence la psychologie. Mais aussi des maladies du temps. Ce qu'on appelle maladie à modernisme, le diabète. Le fait de bien manger, on prend un peu du poids. Lorsqu'on prend du poids, on pense que c'est bon pour montrer qu'on a le moyen. Mais ozobo sanake nanda ku mama ko finga yo. Le fait d'avoir le moyen ozoya monene libumwe pusani, c'est trop bon. Mais peut-être mama ko kima yo nanda ko. Ça vous a créé l'infidélité à la maison parce que vous allez se sous-performanter. Alors le plus important, est-ce que lorsqu'on a le moyen, il faut qu'on y ait du monene? Mm-hmm. Est-ce que lorsqu'on a le moyen, il faut qu'on y ait monene? Donc, il y a beaucoup de causes qui créent le problème sexuel. Mais nous, sexologues, ce que nous faisons, c'est d'attendre ces personnes na tourne à bango. Ça ne marche pas. L'érection ne vient plus. Il faut tout yambayo. Ça ne marche pas parce que vous éjaculez précocement. Toko yambayo na constitution. Ça ne marche pas parce que vous devenez impuissant
sexuellement tout yamba. Ça ne marche plus parce que la libido posée à maman est à la galerie sous-soutée. Tokoyambayo, que tu sois pauvre ou riche. Voilà, vous qui suivez le docteur Benoît. Docteur Benoît reçoit les malades qui ont des problèmes sexuels à la clinique d'or. Clinique d'or que nous trouvons à Lingwala, sous l'avenue Kabinda numéro 225, croisement Kabinda Mouchi, tout ça peut mener à Intense 1. À diagonale et à terre, à foot et à Intense, clinique d'or et Zawana. Clinique d'or à Lemba Super. Super Lemba sous l'avenue Luchacha numéro 86. Et puis clinique d'or et Zouami. Na Ifobank, na commune Antele, Ifobank à RCCT, juste quand na boulevard Lumumba, à RCCT clinique d'or Zawana. Le clinique d'or soit en promotion, la promotion continue pour tout ce mois d'avril, jusqu'au 30 avril à minuit. Promotion est aussi là. Consultation affiche 50%, examen en sexologie 50%, traitement 50%, voilà. Voilà, toki sikoyo na ba maladie oyo ezali provoquer to ebebisaka sexualité e pa ya basi. Pour mingi mingi tozo lobela ba papa me ba mama pe est-ce que bango ba kuta na pina ba problème. Merci beaucoup. Problème sexuel et choisir sa kate ezala mama ezala papa. Quand nous parlons de problèmes sexuels, ça touche aux deux personnes. Mm-hmm. Oui, oui. Généralement, mais il faut y ça va nous péter par bien oui, monsieur. Vraiment. En tout cas, il faut qu'on rappelle après au bien. Mais babo yambayo, il faut toujours la patience, oui, docteur. Oui, oui. Merci. Donc, le problème sexuel est pour nakate. Aux alamoisi, aux alamombale. Mais généralement, quand nous parlons des hommes, en réalité, ça touche. Nous parlons des deux sexes. L'homme, la sexualité, c'est pas pour qu'il y ait mis ça là, yemoko. Donc, l'homme a des érections, c'est pour satisfaire sa femme. Et la femme est en bonne santé sexuelle, c'est pour satisfaire son mari. Donc, la sexualité, comme on a dit, non, va zo beka mimbali, non, non. Tozo lo bela mimbali pour que ma maman ba sepela. Tozo lo bela ba maman pour que ba papa ba sepela. Donc, le problème sexuel touche les hommes, touche. Les femmes ont des problèmes sexuels tout le jour. Et na banzi ba mama besoin d'un docteur Benoît. Le premier problème des mamans en sexologie, c'est un problème y a ba trouble y a ba règle. Pour maman il faut ça dans autre na mon bal na yé régulièrement. Mo ko trouver moi si mon sousou règle comme il sous na période été. Ezob mayangu mo bi. Ezob ima tout temps. Na désordre. Et ça les 3 jours, 4 jours et kei. Deux jours après, ils ont dit, papa, tu sais que maman, maman, on a ma période. Aïnga, ils ont dit, oh non, on a ma période. Si comme période, on a maman, c'est la réalité. Maman, quand vous constatez que ça commence à venir à tout moment, au point à perturber le rythme, on a papa, nanda, ça signifie qu'il y a un problème. Trouble, il y a règle. Règle, ils ont dit, tout le jour du mois. 4 jours, et KI. 6e jour, ils ont dit. 11e jour recueilli, là ça perturbe le rythme à la maison. Et papa devient à tout moment kanda pourquoi parce que soka linga simba yo boye o chéri ko simba kunate naza ba lingette nasé nini ni sous au règle si ko règle ngo komoza ngo combien de fois na sansa yango ko trouver ba maman musuba ko mon na règle 4 fois mususo ayibisa ngo docteur ngana sa kata 8 fois na yeba le susuté si ko eza 8 fois te maman tu as un problème de santé trouble des règles qu'est-ce qui trouble les règles chez les femmes ezaka mingi ba infection les microbes ezaka mingi ba trouble ba hormones pas ba maman ezaka mingi manque ya traitier ba maman ba miébilité donc ça trouble les règles maman ce qui ba règles zo troublé tant zo mon peut ba règles chaque fois comme ça. Tu as des cycles anovulatoires. Ça signifie que ovulation peut zalité. Même ceux qui papa y est, moyen zoazemi peut zalité. Donc trouble, tu ben yango ba spagno menoré, tu ben yango ba trouble ba règle ou yezali. Moyen comprendre yango ezate. Est-ce que maman moko azona la docteur Benoît na poko alelo? Est-ce que vous avez ce genre de problème? Mais aussi des règles dans le sens que ça s'accompagne à ba douleur.
Il y a des femmes comme ça, règle ezo ya tambala moko ekeyi, mais règle wane ko kende ko tika ina ba douleur. Ce qui papa lingia pousana, ya tika na douleur na mukongo. Douleur na se alibum. Ce qui maman, ça crée des algies pelviennes. Ba douleur wana ya se, c'est ça que nous appelons des algies pelviennes. Ils a ba cause ebele. Mais parmi les causes, ils a dit na ba trouble ba règle créé par des infections et ça laisse des douleurs comme ça ba mingai ngai. Maman, ce que docteur Benoît, vous avez ce genre de problème. Et bien ça, ou bien ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, docteur Benoît, à l'objet, ba règle, ou bien sauter. Ba règle, ou bien ya mikolo nyonso. Ba douleur, wana oye ya kana ba règle, et ça, la soignable. Na kati ya maboko ya sexologue. Mais à condition, to consulter yo d'abord. Na si ma consultation, tout ça ici examen de tout ce qui est un traitement. Donc c'est soignable, mais il faut trouver la cause de l'anémie. Est-ce que ça dit une infection, un microbe négligé? Est-ce que ça dit un trouble et une règle? Est-ce que ça dit un avortement? Pour les gens qui sont sous la longue la zémi, ou bien zémi longue na imprudence, mais comme ba landela ki traitement na yango tina sukate, okomo na makile komo zonga désordre. Et parfois maman makila yango za accompagné na ba solo mabe. Ça c'est provoqué par des infections. C'est provoqué par avortement incomplet ou bien et cela qui et ça maki malamuté. Voilà pourquoi nous vous conseillons d'aller voir le médecin si vous avez ce genre de problème. Faut pas garder ça. Si vous avez ce genre de problème, voyez votre médecin, que vous faites confiance. Ce qui est réalité, moi, j'ai votre sexologue, à Kusungayo, docteur Benoît qui vous parle, je suis médecin spécialiste en sexologie et je reçois le malade qui a ce genre de problème à la clinique d'or. Et clinique d'or, c'est à Lingwala, sous cabine d'AD 125. Tout à peine à Lemba, Lemba Super, sous l'avenue Luchacha numéro 86. Pembeni à l'école Mokengeli et clinique d'or, ils ont mis à Ifobank. Il faut bien que dans RCCT, kaka CCT na boulevard Lumumba, bande kozwa na biso na tiango kuna tokoyamba yo tokorienter yo. Mais clinique d'or est en promotion pour tout ce mois d'avril. To prolonger promotion ti na mois d'avril et aussi là le 30 avril na minuit, 50% ya consultation, 50% ya examen, 50% na traitement, mais à condition que oza na problème hein. Sexuel. Ozala maman, ozala papa. Si c'est un problème sexuel, vous aurez à bénéficier de ces 50%. Voilà. Voilà. Et ça, on a comme ça, puis on a un texto. On a comme ça, on a comme ça, on a un docteur. Est-ce que trouble, il y a des règles? Yango et koki kotin dans tout ti na stérilité toté. Oui, merci beaucoup. Trouble à règle, est-ce que koki kotin dans mon ti na stérilité toté? Trouble à stérilité et à ba règle, oui, comme même à mon na stérilité, mais ils ont dépendre de ce que vous appelez trouble à ba règle. Et c'est quel genre de problème, maman, ou tin de message aux anayango? Pour moi, si je suis en trouble à règle, il y a des règles qui sont en train de se faire. Il y a des femmes comme ça, qui ont sali déjà 6 mois à mon cas, maquillaté. Aux Hollanda, ce que vous avez maquillaté signifie que l'ovulation peut s'aliter. Les règles ont signifié que l'ovulation est acquise dans le mois passé, mais j'ai mes côtés quittés en ce moment-là. Matrice aux acquis préparée et c'est desquamé. Mais maman, tant que nous avons règle T, ça signifie qu'ovulation pésalité. Donc, moi, si vous avez un trouble des règles, la majorité des femmes, ou vous avez un trouble des règles, finissent par avoir un problème de procréation. Mais avoir aussi des règles, il y a une condition normale, ne veut pas dire que moi, si on a un botarakak. Je connais aussi des femmes qui ont règle yaka régulièrement, tout le mois, 3 jours, 4 jours, mais elles ont zémité. C'est-à-dire, par le fait qu'elles ont pas mis en règle, la procréation exige autre chose, beaucoup d'autres choses ébellées. Voilà pourquoi, en décosant de Dr Benoît, vous avez un problème de trouble des règles.
Vous avez un problème, c'est quoi la kobota, procréation, l'infertilité, toroki kolande la yo. Et wana, il faut te entre papa et maman, problème est, ezawapi. Est-ce que c'est la femme, ne aza la base? Est-ce que c'est l'homme ou tous les deux partenaires? Voilà pourquoi il est important, bino batobozo landabiso, vous êtes marié, ça fait tant que vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, il faut te consulter bino en couple, pour te yeba. Localiser problème papa gotinda kaka mama te bon ba papa ebele o komona non mama kende kaka yondo zo zoaze mité papa mama zo zoaze mité mais il parle ba kende kaka papa po yo zo ka opesa ngaze mité parce que l'homme a les spermatozoïdes na kati ba on moni mayi o mumbala bimisaka wana pendant l'éjaculation on appelle ça les spermes na kati ya sperme nous trouvons des cellules qu'on appelle spermatozoïdes. Ba cellule wana nde ekokota na kati ya nzoto ya mwasi et féconder ovocytes nde kopesa mwana. Papa soko za ba spermatozoïdes te moyen mama zoazemi exacte. Ça c'est la zoospermie chez l'homme. Il y a des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes. Mais papa soki ba spermatozoïdes ezali muke ata osangani zoto na mama moyen zoazemi ezate. On appelle ça l'oligospermie. Quantité muke ba spermatozoïde. Mais il y a aussi des hommes où il y a une quantité normale de spermatozoïde, mais mama zoazemi te parce que bazana vitesse c'était asténospermie. Mais évitez si vous avez déjà fait un examen des spermogrammes, pe ba yebisi que vous avez une anomalie spermogramme. Les anomalies des spermogrammes, c'est bon. Mais il faut toyer, bah, c'est quoi la cause qui fait qu'il y ait ces anomalies? Est-ce que vous n'avez pas un problème de varicocèle? Est-ce que ma testicule n'ayant papa, elles ont fonctionné malamou? Ce qui ma testicule, elles ont fonctionné malamou, t'es? Et comme ma yolobi n'a problème avec ma spermatozoïde, n'a problème avec couper sa maman zemi, n'a problème avec binoukosimba moana, et c'est ce qu'on appelle l'infertilité. L'infertilité a des causes, et ces causes sont cherchées et trouvé par le médecin spécialiste dans le domaine, comme le docteur Benoît, qui est sexologue et spécialiste dans la santé de la reproduction. Mais la maman aussi peut avoir un problème d'ovulation. Papa, Rory Gozalanaye bien. A télémaka bien. Azapé dans la spermatozoïde et quantité normale. Si Koyo, tant que vous n'êtes pas maman, maman n'a pas d'ovulation. Cycle anovulatoire. Tamako éjaculé na kati ya mama, mama azana ovulation, mais une ovulation de très mauvaise qualité. Ah, donc, en matière d'ovulation, nous avons ce qu'on appelle la qualité de l'ovulation, mais aussi la quantité de l'ovulation. Une ovulation qui se fait régulièrement, là je parle de la quantité. Mais la qualité, c'est une ovulation en réalité. Oh, yo, soki spermatozoïde est commis, il faut chimiotatisme pour qu'il y ait fécondation. Alors, tous ces éléments, c'est important. Voilà pourquoi, chers couples, vous qui suivez le docteur Benoît, vous avez le numéro affiché. Certainement, vous pouvez appeler. Mais en dehors de tout ça, docteur Benoît, comme sexologue, reçoit le malade à la clinique d'or. C'est là-bas que nous recevons des couples qui ont des problèmes d'infertilité. C'est là-bas que nous recevons des couples qui ont des problèmes d'infection. C'est là-bas que nous recevons les femmes qui plaît des troubles, des règles. C'est à la clinique donc que nous recevons bateau bazar bas problème hein, sexuel. Surtout que nous sommes pendant une période de promotion. Voilà. Et tout ce temps c'est la promotion. La promotion te prolonger yango na mois d'avril au Yonso et qu'aussi là le 30 avril à minuit 50% de tout ce qui est sexuel. Et cela pour une infection urogénitale. Et cela pour un problème et à causant la kobota infertilité. Et cela pour un problème d'impuissance sexuelle, faiblesse totale. Vous savez, on a regardé sous nos autres côtés. Donc, il y a un babi, nous, parce que tout est à 50%. Fiche de consultation 50%. Examen 50%, c'est traitement. 50%, c'est à la clinique donc, que nous trouvons à Lingwala, sur l'avenue Kabinda numéro 225. Croisement Kabinda Mouchi. Tout ça, il y a un TNC1. Il y a une clinique d'or. Et clinique d'or, ils ont mis peine à l'emba super. Super Lemba, avenue Luchacha, numéro 86, Pembeni école Mo Kengeli, et clinique d'or na Efobank. Efobank, Tozana, arrêt CCT. CCT, voilà.
juste gaga na CCT au comment la clinique dans la boulevard. Voilà, batwazo benga vraiment nous sommes en direct. Ndenge toza boye en direct soko lingi au komata texto ato benga en tout cas nyonso iza bavoir ou iza permis. Alors nandenge tozo kene nakanga pe ba texto pour mon amoni bandeko ebilo bazo komata ba texto awa ndeko moka lobi boye bonsoir Berthe Djonga moto na Nzambe tuna docteur pour nous les femmes tant que nous avons problème il y a trouble il y a bah, ovulation est-ce que ibandaka ibandaka na âge ya se to et ya kubandaka mbala moko na kimukulu ba trouble ya ovulation. Merci beaucoup maman pour la question maman lingaye baso ki l'ovulation trouble ba ovulation waneza la kubanda kibomwa na mukezo mata non non maman ezo dépendre trouble ovulation waneza kana cause na yango ce qui cause ezalie pas mwana muke mwana muke akuzana ba trouble ya ovulation. Vous allez trouver aujourd'hui des jeunes filles il y a 22 ans, je viens de recevoir dans mon cabinet un couple, la femme n'a que 22 ans. Elle n'a que 23 ans. Mais l'homme, je crois autour de quarantaine, marié, nous avons réussi les couples tokosité bango, nous avons trouvé que l'homme n'a aucun problème. Mais c'est la femme qui a des cycles anovulatoires. Morphologie, il y a moi aussi normal. Poitrine bien développée. Makamonyo sont bien développés. Elle fait aussi le mastrine normalement. Elle a des règles tous les mois. Mais n'a pas d'ovulation. Cycle anovulatoire totalement. Et lorsque nous avons fait des examens, nous avons trouvé la cause. Je sais que moi, si on a moins d'ovulation, exact. Et nous avons soigné la dame. Heureusement pour Nabango, moi, c'est Azuizemi. Donc, c'est pour dire que les troubles et ovulations qu'on combat dans l'âge moko, il y a C. Au fur et à mesure, on t'a dit que les gens qui causent les soignés, ils ont fanda. Voilà pourquoi, vous avez un problème d'infertilité. Il ne faut pas attendre qu'il faut que ça 3 ans ou que ça autant. Vous êtes marié. Lorsque nous parlons de l'infertilité, c'est lorsqu'il y a une cohabitation entre deux personnes de sexe opposé. Avec la consommation, il y a sexe de façon régulière et qu'il n'y a pas de grossesse, en ce moment, il y a infertilité. 12 mois de cohabitation sexuelle. Papa et maman, ça fait combien de temps? Vous consommez le sexe, mais il n'y a pas de grossesse. En ce moment, nous parlons de l'infertilité. Tu as dit que tu es stérile. Mais tu as dit que tu es infertile. Infertile pour dire qu'il y a une cause. Et cause, elle est mouquée. Peut-être une infection. Vous avez une cause. Et ça, qu'on peut qui ça. Peut-être que papa, bah, spermatozoïde, il y a une vitesse mouquée. Voilà. Alors, tous ces éléments-là, tant que tu as constaté, il y a un traitement au Kuzonga normal. Mais on peut trouver des anomalies insurmontables. Mais aujourd'hui, il n'y a plus des anomalies insurmontables. Même si on vous a dit que Ozana a spermatozoïde T, azospermie total, c'est soignable aujourd'hui en médecine. Et docteur Benoît qui vous parle, heureusement, je suis médecin et de surcroît, je suis spécialiste en santé et en reproduction, en sexologie et en santé de la reproduction. C'est-à-dire, Toroki Koyamba, même ceux qui ont zéro spermatozoïde, l'essentiel, c'est quoi la cause? Est-ce que le testicule fonctionne? Est-ce qu'il n'y a pas varicocèle caché derrière? Est-ce qu'il n'y a pas un testicule qui a été enlevé par hasard? Est-ce que... Donc, lorsque nous examinons ces éléments, tu vas soigner le Kuzonga normal. Mais il ne faut pas confondre la virilité et la fertilité. Parce qu'il y a des hommes qui viennent chez moi pour me dire que, docteur, mais comment on dit que Ngana est fertile alors que moi, si Nangaye Mokwaza témoin. Tout ça, le rapport sexuel est bien. Papa, tu peux être viril sexuellement. C'est-à-dire, tu as de bons rapports sexuels. Tu as de bonnes érections. Tu entres dans le corps de maman bien.
Tu éjacules même avec une grande quantité et sperme. Mozo a copé sa maman zémité. Quantité et sperme, tu éjacules. Et en gonné copé sa zémité. Nakati a sperme wana, il faut qu'on trouve les cellules qu'on appelle spermatozoïdes. Ce sont ces cellules. Mais il faut écouter na cellule et à maman. On tombe dans la ovule ou bien ovocyte. Ne eko créé moana. Alors, si vous n'avez pas de spermatozoïdes, il faut tout le cas. Pourquoi vous n'en avez pas? Donc, on peut ça traitement ou les alliés adaptés aux causes normales. Ça se soigne. À qui tient ça? Pas nécessairement la poteau. Voilà. Mais je ne veux pas dire que les rapports sexuels n'est pas important. Avant y'a qu'on soit zémi, il faut avoir des rapports sexuels. Et même en dehors y'a qu'on soit zémi, la sexualité constitue le soubassement d'un foyer, d'un mariage. Et d'ailleurs, je définis ici. Le mariage est comme une cohabitation sexuelle. Tant que vous sangana qui, l'anlibala, tobalani, et zapobo sangana, bolobito lembi kotao, non, non, to cohabite pona ko sangana kanzoto. Si ko papa soki ozoa ko sangana zoto sou malamute, ça signifie que libala ozo bo malibala. Pour qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait le sexe. Le sexe reste l'élément numéro un. D'un mariage. Tant que Libala ou Aneza récite, le récite à Libala signifie le sexe et le numéro, le number one d'un mariage, c'est la sexualité. Alors, papa, est-ce que tu consommes le sexe? Non, maman. Oh non, docteur, ne vous en faites pas. Nous, quand on avait 40 ans, on consommait. Non, non. À 40 ans, mais maintenant tu as 60 ans, qu'est-ce qui t'empêche? Parce qu'à 60 ans, tu es encore jeune. Oh non, docteur, ce soit ta, non. Papa, ce soit ta, sur le plan sexuel, c'est la jeunesse. J'appelle ça toujours le début de la sexualité. On commence une bonne sexualité à 60 ans. Et c'est à ce moment qu'on est libre. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que à cet âge, c'est supposé que bana ba koli. C'est supposé que bana ba bimi pendako, ba komo bimandako. Et vous restez à bah face. Bah responsable. Si quoi yo, et tika, au moment là, 60 ans, na, ba na ba tikibino, terre en goyo. Maman na papa bozo ta, na tongo, So go zongi, maman servi yo, maman yo service yo, oh chéri na ki olala, ponge zwinga. Yo si quoi yo tali télévision, zongi boy, yo sali boy. Ah, na okende chambre yango ndengeni, so oké okay, boy. Mais, ou mene yepe, mais ozo ou mene la boy ndengeni. Oh, ah, bangungi. Donc, ça ne marche pas, papa. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire que vous avez un problème sexuel. Il ne faut pas que vous soyez à 60 ans. À 60 ans, vous êtes jeune hein, sexuellement. Et il y a le docteur Benoît dans le lobby. Il y a un lundi, docteur Benoît, il y a moko comme sexologue à lobby. À 60 ans, c'est la jeunesse sur le plan sexuel. Oh, docteur, si vous êtes à 70, 70 ans, c'est la jeunesse. Parce que ce soir, on a 70 ans, c'est là. Nous, c'est la jeunesse. Vous pouvez encore bien consommer le sexe. Quand j'ai dit que c'est la jeunesse, c'est-à-dire à 60 ans, on peut avoir de bonnes érections. Aux Hollanda, la quantité peut poser un problème, mais la qualité de l'érection demeure, même à 60 ans. On garde son érection intacte sur le plan des qualités. La qualité, c'est-à-dire lorsqu'on a une érection, on a la capacité de jouir avec sa femme, de l'amener à l'orgasme, de garder la phase à plateau et d'aller jusqu'à l'éjaculation. C'est ça, ce que j'appelle la qualité. Tu peux me dire que docteur Nazoko Akozong est là 3-4 fois T. Papa, à 60 ans, tu peux faire 2 fois la même nuit. À 60 ans, tu peux faire aujourd'hui et faire demain. Oh non, docteur, ngana komoze la gaka, soyez na sali le lo lundi, il faut na zrati lundi prochain. Papa, c'est faux. Il y a une cause, il faut te consulter. Est-ce que vous n'êtes pas diabétique par hasard? Lorsqu'on est diabétique, on finit par avoir ce genre de problème. Au lieu de voir le diabète, on commence à voir l'âge. Est-ce que par hasard, on a la tension? Lorsqu'on est hypertendu, l'hypertension, c'est une cause de dysfonctionnement sexuel. Alors, en ce moment, au lieu que papa a constaté que je suis hypertendu, et en ce moment, ça commence à me compliquer sur le plan sexuel, oh non, parce que j'ai 70 ans. Papa, ce n'est pas l'âge,
mais c'est la maladie. Mm-hmm. Peut-être que vous avez gardé des infections pendant longtemps et que la prostate ne marche plus. Au lieu de voir que la prostate n'est comment créer un problème, oh non, c'est l'âge. Alors, yebi ça y est, libanda. Maman, si papa zate, yondo zola la biso, yebi ça papa ko landi docteur Benoît Lobby, hein, na 60 ans, na yo yo papa, tu koki ko sa la rapport sexuel, hein, 3 fois par semaine. Ah, yebi ça y est bongo. Que tu koki ko sa la corps 3 fois par semaine, voire c'est même possible. 4 fois par semaine. Et ça pour me agiter, c'est parce qu'il y a une maladie, ou yo zo découvrir te. Alors, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Tu koki yamba yon na consultation. C'est ce qu'on appelle les ABC de la médecine. Consultation, examen, puis traitement. Okozonga, gène. Hein? Nous avons la capacité à Okozongi Sayo na bo jeunesse sur le plan sexuel. Hein? Parce que vous savez qu'une femme, quand elle est à la ménopause, elle a beaucoup plus d'appétit sexuel qu'une jeune femme. Eh bien, papa, boye bakate. Non, tu commences à laisser maman à la maison pour chercher ailleurs. Mmh. Alors que maman, à cet âge-là, elle en a beaucoup plus besoin de sexe que toi, peut-être. Alors, elle n'a personne d'autre que toi. Voilà pourquoi vous êtes obligé. Je dis bien, papa osa obligé, yakoluka les bonnes érections. Yakoluka la libido, les désirs sexuels pour être en compétition à maman. Alors, si ça ne marche pas, c'est la consultation des sexologues. À Kinshasa, nous avons des médecins qui sont spécialisés en sexologie. Comme le docteur Benoît qui vous parle ce soir. Je suis médecin, docteur en médecine à Tangi, à l'université à Kinshasa. Dans le CDC, j'ai eu un diplôme de docteur en médecine à Kelibanda, à l'université Laval au Canada, dans la santé sexuelle. Et je suis à Kinshasa, je ne reçois que des personnes qui ont des problèmes sexuels. Je reçois la clinique d'or. Clinique d'or que nous trouvons à Lingwala, sous l'avenue Kabinda numéro 225, croisement Kabinda Mushi. Pembeni il y a un TNC 1, à diagonale et à terre, il y a un TNC, clinique d'or Izawana. Je reçois personnellement des cousins à Lukunga, à Lingwala, sous Kabinda 225. Clinique d'or et Zouami Pena Lemba Super. Super Lemba, avenue Luchacha numéro 86. Pemeni à l'école Mokengeli. Na Lemba Super, avenue Luchacha 86. Pour la bande de Ozana Matete, Ozana Ngaba, Ozana Yolo, Tozana Lemba Super, avenue Luchacha 86. Clinique d'or et Zouami Pena Efobank. Efobank na RCCT, au Liki Aéroport, car na boulevard Lumumba. Donc, quand il faut bien qu'il y ait un CCT, on commande à la clinique d'or. Et c'est là que je reçois personnellement, surtout pendant ce temps, parce que la clinique d'or soit en promotion. Voilà. Donc, la promotion continue encore pour tout ce mois d'avril. Papa et maman t'ont prolongé la promotion. Dans le mois d'avril, on se considère-t-il le 30 avril à minuit, sur votre demande. Qu'est-ce qui est concerné? Des problèmes sexuels. On soit les alliés sexuels. Ils ont la promotion. Fiche à consultation à docteur, 50%. Examen, 50%. Traitement, 50%, mais à condition que ce soit un problème sexuel. Problème sexuel, c'est-à-dire vous éjaculez précocement. Vous avez un problème d'érection. Oh, érection, ils ont mal à monter. La libido ne marche pas. Le désir sexuel, l'appétit sexuel est athée. Oh non, moi j'ai un problème à Kobota, infertilité depuis qu'on est marié. Maman, on a des troubles et des règles. Voilà, depuis que nous papa, nous avons des maquillages chaque jour. C'est ça, les infections urogénitales. Toko yambayo, on peut bénéficier de 50%. Sinon, ben gars, le numéro est allé afficher wana. On va vous orienter là où vous pouvez nous voir. Voilà. Vraiment, Boyokin, le docteur, a fait une explication. Nous. Mais quand je vais vous donner un texto, je vais vous donner un docteur. Est-ce que pas problème à Mikolo, oyo, oyo, comme belé, comme il a provoqué un dysfonctionnement sexuel? Tu as dit que s'en sortir na yango ndengenini. Pour conseil à médecin, et que tu as entre autres, tu as dit problème à coup de sexe. Coup de sexe apporte na yaye na makambo tuzuluba. Et Zaline, docteur. Merci beaucoup, Bandeko.
Na banzi bomoni na télévision ba komi kudiasex www.kudiasex.com eza site internet pour na kozwa régime alimentaire. Un régime alimentaire qui améliore la sexualité. Parce que l'alimentation est la base de beaucoup de choses. Vraiment. Il faut bien manger pour être à la bonne santé sexuelle. Lorsqu'on mange mal, parce que les gens pensent que la sexualité, non. Même si tu ne manges pas, tu seras à la bonne santé sexuelle. Non, il faut bien manger. Et quoi manger alors?